السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله راكم بخير وعلى خير. Je voudrais intituler cette vidéo « Tout ce qui brille n'est pas de l'or ». Et pour cela, je vais essayer de prendre deux spécimens. Wahed, je l'ai souvent cité, sauf que il commence à prendre une certaine ampleur assez dangereuse. C'est le docteur Yassine Mahibahi, toujours le clown de service. Et clown n'est pas péjoratif, hein, il fait un petit galère. Ou le deuxième, c'est le candidat, l'ex-candidat à la présidentielle, ex-ministre aussi, pas des moindres, le gouvernement Ghazali ou l'Ahmaro, je pense, Ben Nouari, Ali Ben Nouari. Donc, pour revenir ici, Yassine Mahibahi, j'avais eu une longue conversation avec lui. Et je vois, je ne sais pas si c'est, je dois dire, d'une manière agréable ou désagréable, que il commence réellement à se prendre au sérieux, tellement bon, le champ est libre. Il faut dire que c'est l'opportunité des rapaces. Donc pourquoi pas, lui, tiens, un drapeau derrière, un discours, Asugasem Gazo, Allah Muhammad Rasulallah. Et puis, son acharnement à défendre Zohra Darif. Pire. Mais il faut avoir de l'audace, on l'a dit. La pauvre, on l'avait exclue du Sénat cette fois-ci. Donc, c'est quand même une grosse part du gâteau qui vient de lui être soutirée. Wallah, il a aïb kibir, gars. Donc, il y a de quoi. Tata Zohra, il faut pas quand même. Elle mérite mieux que ça, grande Mujahida. Manish Arif, je dis à Tahad Akish derrière, mais bon, pendant. Wallah, Gaël Mujahidin Hadou, moi je les interpelle pour leur dire ça a servi à quoi. Il a suffi, en fin de compte, à un certain moment donné, on va considérer effectivement que tu عقدتم العزم وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر. عقدتم العزم ان على ان تحيي الجزائر باش تقتلوها انتوما، يعني خرجتوها من 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 الكسب نتاع فرنسا باش تكسبوها انتوما بار لا سويت. اون فان كونت فوز افي رومبلاسي ان كولونياليزم بار ان اوتر كولونياليزم. لو كولون سابلي جون بيير، عاود سي في ابلي الزهره وقدور وحميده وعيسى اتسيتيرا اتسيتيرا. سي سا كسا سيرفي لا ليبراسيون دو سو بيي. Bon, je ne parle pas de ceux qui m'ont dit, je ne parle pas de Jemaat Taïwan, parce que donc, dès le début, ça a été des opportunistes, ils se seraient vendus même au diable s'il le fallait. Donc, mais je parle de soi-disant, les personnes, les notables de l'histoire. Donc, si Yassine Mahibahi, maintenant, soi-disant, il prend des positions à l'encontre du DRS. Après quoi? Après que Galaki imout el ferd, il quitte le skeken. Mais bon, Michel Toufik, il a laissé pas mal de gens qui étaient orphelins, donc il, comme il n'avait pas de père légitime, il faudrait bien qu'ils peuvent changer de père. Le problème ne se pose pas pour eux. Et tout le monde se déclare maintenant. Bien que si Yassine Mahibahi, quand j'avais discuté avec lui à un certain moment donné, il m'a assuré que lui, c'est juste un citoyen qui n'avait aucune ambition politique. Et donc, j'ai pas voulu trop insister sur la question, mais là, on voit, il se déclare pour peu, il veut bien se déclarer en tant que président, alors que c'est un opportuniste qui a grandi. Des opportunistes tels que Tata Zahra, tels que, et qui s'affiche avec tout le monde, bien sûr. Pour peu qu'il trouve l'occasion de se photographier, de se mettre bras dessus avec n'importe qui, il n'hésite pas. Ça va de Taubira à Ali Belhaj, à Ben Flis, à Ghazali, à. Le système qui est renaît de ses cendres à travers les petits phénix. Mais bon, Hadak, c'est un petit clown, sérieusement, hein, Allah, sans plus. Mais le pire, c'est autre chose, c'est Ali Ben Nouari. Ali Ben Nouari, je m'a.
le comble de l'hypocrisie. Et cette fois-ci, je vois une vidéo qui, oui, il s'affiche en donnant des solutions sur la façon de faire les choses, de sortir de la crise, de faire prendre conscience à toute la population algérienne de l'imminence du grand danger qui nous a toujours guettés, mais sans nous dire pour autant qu'il était partie prenante de ce danger, qu'il a toujours fait partie de ce danger. Quand il n'a pas froid aux yeux et qu'il vient parler de son grand ami, Arbarab, un grand capitaine de l'industrie algérienne. Et que si au moins on est en train de lui mettre les bâtons dans les roues, et que si jamais on pouvait lui laisser main libre, il pourrait mais vraiment faire des miracles pour l'industrie et l'économie algérienne. Alors que c'est le même Ali Bennouri, le plateau de Jamal Din Ben Chennouf, à la présence de Madame Zineb Azouz, qui l'avait acculé avec une question claire, nette et précise: dites-nous qui sont les têtes de la corruption. Il n'a pas hésité un moment à citer un nom, qui était Rabarab, en disant Bli, il était parmi les premiers corrompus en Algérie, et que il a détourné les deniers publics en obtenant des prêts sans intérêt. Et oui, il n'avait à payer aucune fiscalité, il avait des contrats exclusifs, etc. etc. Je vous renvoie à l'émission de Balak, je vous laisserai le lien, vous le verrez vous-même. Vous n'avez pas honte. Et ce système, effectivement, qu'il est à combattre. Mais j'estime qu'il est moins de mon devoir, du devoir des gens. Il compte sur notre amnésie. Il compte sur notre amnésie. Donc ils peuvent dire la chose et son contraire juste la minute d'après, sans aucune envergure, sans aucun scrupule. C'est des gens comme ça qui peuvent promettre monts et merveilles au peuple, et qui, juste après l'avoir utilisé en tant que piédestal pour atteindre les hautes sphères, c'est bon, ils changent de couleur, ils changent de discours, ils changent de décision, ils changent de principe, ils changent de tout. Et c'est ça ce qu'a engendré ce système, ce foutu système à la con. C'est ça ce qu'il a engendré. Des opportunistes à tous les niveaux. Des opportunistes savants, des opportunistes ignares, des opportunistes cultivés, d'autres qui sont incultes. On ne sait même plus sur quel flanc mener une bataille. Quelle bataille mener, quel autre. Et voilà notre chère constitution qui continue. On vient nous tarabuster de rouge, la radio, la télévision, la haboub, le kahlab, le mawaïd, le moustadira, ou le mourabba, ou le moustatila. Na khallaouch. Rami expliquer on a les lois, yani une à une, t'as le dostour. Oui, ou moukhtsin, dakatira, professorat, ou. Yaoudi, ajibada, wallah, il ajib. Alors que la question, elle persiste. المقدمة اللي جات في الدستور واللي تبرأ كل جنرالات السوء وتعطيهم بطاقة بيضاء أنهم آمنين فيما نهبوا، أنهم آمنين فيما سرقوا، أنهم آمنين فيما جرموا، فيما قتلوا، فيما سفكوا. واللي أصبح دروك تقدر تشكك في القرآن الكريم، بصح ما تشككش في قانون المكالحة الوطنية نتاع بوتسريقة، آل بوتسريقة، وجنرالات القتل والتسفيك والنهب والسرقة. بو مامبورت لي لوا كي سوي، سي بون. لو بريامبول أ تو دي. با لا بين دو نوز إكسبليكي لا سويت، سي بون. Nous sommes en train de revendiquer une vérité, la vérité, sur les vrais coupables qui ont été à la tête de la corruption, à la tête de la spoliation, à la tête de tout. Et
vous venez nous chanter d'autres chansons. يعني انا ما فهمتش اننا طالبين العوين وانتم راكم تمدوا لنا الخبز اليابس. سي تيريبل سي تيريبل سي تيريبل. فوالا دونك une petite mise au point pour vous dire tout ce qui brille n'est pas de l'or. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.